dans le Seigneur, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de ton Dieu, en l'exaltant, en le couronnant, en le célébrant, car il est Dieu et il entend rester Dieu et de demeurer sur son trône. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite bon dimanche. Je voudrais parler sur la pré-Morija. C'est comme ça que tu pourras intituler le message d'aujourd'hui, la pré-Morija. La pré-Morija. Après ces choses, après ces événements, après cela, c'est de cela que nous voulons parler. La grande difficulté que j'ai au départ, c'est que j'ai deux types de personnes en face de moi. Le premier type de personnes, ce sont les personnes qui ont été avec nous dans la prière. Et le deuxième type de personnes, c'est des personnes qui n'ont pas été là. Nous devons parler, c'est un grand événement qui est passé à l'église, alors je vais faire un effort pour mettre les deux types de personnes ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous me donnez un bon amen. Alors nous allons dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous lirons à partir du verset 14, plutôt 12, jusqu'au verset 24. Après nous allons sauter, nous allons tourner des pages pour aller au chapitre 23. Et là nous lirons un autre passage. Au niveau du verset, 19. On va commencer d'abord le premier texte. Genèse, chapitre 22, versets 12 à 14. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Oui, continue. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Pour la petite histoire, nous sommes en train de parler des événements qui se sont déroulés à la montagne de Morija, la montagne que vous connaissez, là où Abraham a livré son fils, son unique Isaac, celui qu'il aimait, et il est sur le point de tuer son fils. C'est la suite qui nous est lue. Tu peux continuer. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Continue, papa. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit... Aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel
est comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit Abraham un rapport en disant, « Voici, Milca a aussi enfanté deux fils à Nachor. Ton frère, Ut son premier-né, dit à son frère, Kemiel, père d'Aram, Kesed, Azon, Pidach, Jitlad et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca, ce sont là les huit fils que Milca a enfanté à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tebach, Gaham, Tahach et Maaka. » Voilà, tu nous lis aussi Genèse 23, verset 19, rapidement. « Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Moré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. » Vous nous lisez aussi 25, le premier et le deuxième passage. « Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Jikshak, Shuach, Joktan. » Non, ça va. Alors, je reviens au texte que nous a lu. Comme je vous disais, j'ai intitulé mon message « Après cela, après ces événements ou après Morija. » Difficulté de parler à deux groupes de personnes, les Morijiens et les non-Morijiens, mais qui sont membres de l'église Bread of Life. Je vais m'efforcer. Après un travail comme celui-ci, c'était un travail impeccable, je vous dis. J'ai déjà moi-même personnellement assisté à beaucoup de Morija, mais si je dois classer, en tout cas, la semaine qui vient de passer était la meilleure de toutes les prières de Morija. D'abord, la première raison, nous avons eu 5 intervenants. 3 pasteurs qui sont venus de Kinshasa, un pasteur qui est venu de la France, plus moi-même. 5, et un pasteur de Mbujimayi. J'allais oublier. Donc si je m'ajoute, moi, ça fait 6. Donc on a travaillé ici, je vous dis. Toutes les sessions, c'était plein, plein jusqu'à dehors, plein. On a dû prendre des chaises pour ajouter dans la salle. L'ancien Mike en a pris à peu près une centaine. Hein? 100 combien? 150 chaises pour ajouter dans la salle. Mais ça posait toujours problème. Je crois qu'il faut rapidement maintenant qu'on commence à utiliser aussi les balcons. Parce qu'avec cette allure, on sent qu'on peut avoir besoin d'utiliser les balcons et peut-être aussi revoir un peu la position de certaines chaises, hein? N'est-ce pas? Mais c'était plein, je vous dis. C'était plein. J'étais très content. C'est toujours bien quand tu convoques quelque chose et tes enfants répondent. Parce que nous convoquons ça pour vous. Nous organisons ça pour vous. Dieu organise ça pour te bénir, toi. Donc apprends à venir si tu n'as pas été là. Si tu as été empêché, que l'empêchement a été justifié, que Dieu te bénisse. Mais il y en a qui fuient la faim. Moi-même, je souffre depuis un certain temps de l'estomac, ça me dérange beaucoup. Mais j'étais là. Il y avait des médecins, on prenait des dispositions. Je connais quelqu'un qui souffre de l'estomac, qui pensait qu'il n'allait pas tenir, et à la fin, il a tenu. Il a tenu. Et même maestro a témoigné aussi que c'est la première fois qu'il a jeûné. Alors qu'il a plus de 20 ans ici à l'église, il est né ici à l'église, grandi ici à l'église, il a vieilli ici à l'église. Il prend le micro et dit, j'ai un témoignage. Il dit, c'est la première fois qu'il a jeûné, tout quoi, il commence par la
Avant, je fouillais les deuxième jours. Donc, c'était très bien. Mais il y avait un froid terrible. Aïe, le froid. Ah, papa Nakintu. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas encore mis des fenêtres, mais je vous dis, il y avait, surtout y côté. Comment peut-on avoir un peu comme un grand malade, mais c'est un malade qui a un mantundu. Ou bien, peut-on avoir un peu de yule, un peu de chouka. Non, c'était pénible, je vous dis. À un moment donné, je ne sentais plus mes doigts. Je ne sens pas, je touche comme ça, je ne sens pas. Je dis, bon, je vais manger à l'eau fouille, ça, ça. C'était beau, on a passé des très bons moments. Maintenant, après ce genre de moments de repentance, il y a eu de forts moments de repentance. J'ai aimé le pasteur Yves Ilunga, il est très fort dans la repentance. Il nous a vraiment aidé à nous repentir sincèrement. Et nous avons aussi connu le pasteur Komen Chibanda, qui est très fort aussi dans la délivrance. On a été richement bénis. Et après lui, j'ai travaillé ensemble avec l'Éric Coteau dans l'effusion du Saint-Esprit. C'était aussi waouh. Et après, il y a eu des moments de requêtes avec des big prophètes. Éric Mutombo. Ah non, vous avez manqué des choses. Ici, ça a chauffé. Éric Mutombo, c'était très bien. C'était très bien. Mais après tous ces événements-là, c'est ça mon intervention de ce soir. Après toutes ces choses, qu'est-ce qu'il y a après? C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y a après? Je vais chercher la réponse dans ce qu'il y a eu après Abraham. Quand Abraham est descendu de la montagne, c'est là que je vais aller chercher la réponse. Abraham, dès qu'il descend de la montagne, d'abord, après juste le fait qu'il n'a pas crucifié son fils, Dieu l'a béni. Ça, c'est le premier point que je vais développer rapidement. Dieu l'a béni. Et quand je lis les bénédictions des dieux sur Abraham, je sens que ce n'est pas la première fois que Dieu avait béni Abraham de cette manière. Et je retrouve une autre bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham au moment où il l'avait appelé. Quand il dit dans Genèse 12, « Va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, vers un pays que je te montrerai. » Il avait dit presque les mêmes choses. Je dis bien presque les mêmes choses. Maintenant, je dis, « Seigneur, pourquoi tu répètes une bénédiction que tu avais déjà donnée à Abraham alors qu'il vient de faire quelque chose de très fort? Il t'a montré qu'il t'aime, il t'a montré qu'il ne peut pas te refuser à toi, même si tu lui demandes son fils, son unique, celui qu'il aime. Mais tu ne répètes que la même chose. » C'est à ce moment-là que j'ai reçu de la part de Dieu cette révélation qui me dit, non, ce n'est pas la même chose. Il y a eu deux choses qui se sont ajoutées. Mon frère, viens. Oui, prends-moi ces baffles-là, tourne-le comme ça, parce que je... Nous, ça qu'il aime, nous, on n'a pas qu'à côté moi. Voilà. Tu peux les bipandi chapayou. Tu fais ça au kiloko. Bon, je pense que ça va aller. Voilà. Alors, après ces événements-là, Abraham descend et il n'y a que cette parole-là, Seigneur. Les mêmes paroles qu'autrefois. Dieu me dit non, ce ne sont pas les mêmes paroles. Premièrement, Dieu me fait voir que la première fois, il n'avait pas juré. Il avait seulement béni Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Et quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Mais ici, il répète aussi presque les mêmes choses, mais en jurant. Cette fois-ci, Dieu jure. La Bible dit, ne pouvant pas jurer sur un plus grand que lui, il va jurer sur lui-même. Il y a toujours, vous savez tous, que quand quelqu'un jure, il donne un peu de crédit, un peu de sérieux à ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un vous dit « Akinamungu », c'est comme ça que nous avons l'habitude de jurer. Hein? Quand il dit « Akinamungu », il veut donner l'insistance pour dire que ce que je dis là, c'est la seule vérité que je connais. Et je ne peux pas me retourner de ça. Alors, ici, Dieu a juré
Ce qui fait la force de la même des mêmes paroles, mais qui change cette fois-ci la bénédiction. Et je crois aussi pour nous qui étions à Morija, tu as déjà peut-être déjà entendu des paroles que Dieu a déjà prononcées à ton sujet. Tu avais déjà reçu des messages, des prophéties, je ne sais quoi encore. Mais cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a aussi juré sur toi. Il a juré comme il a juré dans la vie d'Abraham. Il a dit, cette fois-ci, je déclare, ne pouvant pas gérer sur un plus grand que moi, je te jure, Abraham, je te bénirai et je te bénirai. La deuxième chose qu'il avance dans ses paroles, il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est une longue histoire, je ne saurais pas entrer là-dedans faute de temps, mais au moins ce que je peux vous garantir quelque part, quand Jésus est venu dans le monde, il a vaincu le diable, il a créé son église, et il a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, ce sont les mêmes portes de nos ennemis qui peuvent s'organiser pour nous faire la guerre, mais ils ne réussiront pas. Je dis à quelqu'un, toi aussi, après avoir quitté Morija, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te chercher, mais ne te trouveront pas. Vous savez, quand nous avons, vers la fin de Morija, je suis sorti, je suis allé à l'aéroport pour aller déposer le Bishop Comen Chibanda à l'aéroport. J'arrive là-bas, j'étais avec l'autre pasteur, le pasteur Didier, c'est aussi un très bon enseignant, il avait très bien parlé sur le Saint-Esprit. Et on arrive là-bas, j'ai l'habitude d'aller par le salon d'honneur, j'arrive là-bas, un agent de la RVA me complique. Et pourtant, tous les jours ici, j'y entre sans aucun problème. J'ai dit, ok, ça va. Comme j'étais avec d'autres pasteurs, j'ai dit, bon, j'ai un peu honte, mais je lui dis, toi-même, tu vas ouvrir cette porte, nous allons entrer. Pasteur, on va d'abord faire les formalités. Nous sommes allés faire les formalités. Il est quelle heure? Il est 6h30. Donc dehors, il fait un froid de cimetière. Vous savez, parfois, certaines personnes peuvent être utilisées par le diable sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Moi, j'ai compris tout simplement que ces messieurs-là, le diable l'a utilisé pour qu'ils puissent me ridiculiser et me faire croire que malgré que tu viens de Morija, ça reste là-bas, ton autorité c'est là-bas, le pouvoir, toutes les bénédictions, mais ici c'est moi. Je dis ok, je viens de Morija, tu vas voir. Je dis à quelqu'un, Morija s'est fait suivre aussi de beaucoup de tentations, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de blocages, mais ne vous en faites pas. Comme moi j'avais dit à cet homme-là, je t'ai dit aussi la même chose, toi-même tu vas ouvrir la porte. Alors je pars, je commence à faire les formalités. On a presque fini avec les formalités. Entre-temps, j'appelle son chef. Son chef me dit, on t'a refusé. Mais comment ces gens ne te connaissent pas. Mais comment ils sont comme ça? Il dit, attends. Bon, j'ai même oublié. On rentre pour aller prendre les sacs qu'on avait laissés dans la voiture. On ouvre la portière, on commence à prendre le sac. Quand on sort avec les sacs, on veut aller là, du côté de tout le monde. Son collègue, qui était un peu plus chef, un peu plus élevé que lui, quand il me voit, il court comme ça, comme un enfant, il se jette à mes pieds, à genoux. Et il dit, pasteur, je suis très content de te rencontrer aujourd'hui, tu as sauvé mon mariage. Moi, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai sauvé son mariage. Et puis il dit, j'ai écouté l'un de tes messages sur le traitement entre les belles filles et les belles mères. Papa, ce message-là, nous l'avons mis ensemble avec mon épouse à la maison, problème réglé. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de problème. Et j'ai cherché toutes tes prédications, nous les écoutons à la maison. Maintenant que je te vois, bénis-moi. Il est à genoux. Maintenant, l'autre là qui m'a refusé. Tu sais, je dis à quelqu'un, même si on te combat, Dieu va utiliser toujours quelqu'un.
Dieu va utiliser toujours quelqu'un. Il ne faut pas être pressé quand on a kabukon vika nanza mala mwa ntoso. Non, acha. Mungu t'a occupé. Il dit, laissez à moi la vengeance, la rétribution. Laissez, Dieu sait faire payer les gens. Regardez comment il va faire payer ces messieurs. Son chef se met à genoux. Maintenant, je vais commencer à le bénir. Na onction et autres. Parce que c'est son chef. Je te bénis toi. On a causé sa bénédiction entre temps. Ah, c'est ce que ça veut dire. Hein? Quand Dieu dit, il dresse la table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête. Il est en train de voir comment son ami est en train de recevoir l'onction, la bénédiction, et lui, il est à côté. Maintenant, tu as l'ombre à Djenawe. Djoué, tu as eu ce problème. Tu as un problème. Et puis, quand je suis en train de prier pour son ami, je sens le téléphone sonner là-bas. Maintenant, c'est son chef qui l'appelle. Son chef commence à le gronder au téléphone. Je ne sais pas si on a un focal. On le gronde au téléphone. Et de là où moi j'étais, j'ai dit, ok, maintenant il va sentir. Je finis la prière, je fais semblant, je prends le sac, je dis, merci que Dieu te bénisse. On commence à aller là où tout le monde va. C'est lui maintenant qui vient. Non, non, pasteur, je ne vous connaissais pas. Excusez-moi, venez, venez. Je dis à quelqu'un, Dieu te bénira. Là où on t'a ridiculisé, Dieu va te bénir. Là où on s'est moqué de toi, Dieu va te justifier. Là où on ne te prend pas en considération, Dieu fera en sorte qu'on te prenne en considération. Par moments, il ne faut pas fuir certains combats, certains blocages, certaines difficultés. Dieu lui-même a une pièce de l'échange dans cette même situation-là. Abraham, puisque j'étais en train de parler de lui, n'est-ce pas? Abraham, il se retrouve dans une situation telle que il finit la prière, il descend de la montagne et il arrive au sommet, plutôt au pied de la montagne. Il retrouve les serviteurs qu'il avait laissés. Suivez bien, vous avez lu ce texte. Les serviteurs qui l'ont laissé en bas lui disent, Michal, la femme de ton frère, Dieu l'a aussi bénie. Ça veut dire la bénédiction de son frère, parce qu'Abraham, ils sont nés à trois. Il y a lui, Abraham, qui était l'aîné de la famille. Il y a son frère qui s'appelait Nakhor. Et puis il y a un autre qui s'appelait Aram. Aram, c'était le père de Lot. Ça veut dire Abraham a percé dans sa famille, il a obtenu un enfant, mais son jeune frère Nakhor n'avait toujours pas d'enfant. Et pour une bataille qui concerne Abraham, son fils, plutôt son frère, bénéficie aussi. Je dis que quand nous prions le Seigneur, quand nous combattons pour nous-mêmes, Dieu est capable de débloquer aussi la situation de nos frères. C'est pourquoi je dis, même ceux qui n'ont pas été avec nous dans la prière des Morides, lors des bénédictions, ils seront aussi bénis. Parfois, ne soyez même pas surpris qu'eux soient bénis avant vous. Ce n'est pas pour moi une façon de t'encourager à ne pas être là prochainement. Mais c'est une façon de dire, ne sois pas surpris de constater que Dieu a béni quelqu'un qui n'a pas été dans la prière. Ça peut être pour toi une pierre d'achoppement. Ah, tu peux commencer à dire, mais Seigneur, et nous qui avons sacrifié, et nous qui avons... Abraham n'a pas dit à Dieu, Seigneur, moi qui me suis sacrifié, j'ai donné mon fils unique. Avant de commencer avec moi, tu commences avec mon frère. Quelqu'un me donne un bon amen? Ta bénédiction à toi peut se faire sentir même en dehors de toi, autour des personnes qui sont autour de toi. Même les personnes qui te servent, même ton domestique. Dieu, pour te montrer qu'il a écouté ta prière, il peut te donner un signe dans la vie d'un domestique. Il peut te donner le signe dans la vie de quelqu'un de la famille. Alors c'est comme ça, soyez très attentifs quand vous descendez de la prière de Morija. Regardez tout autour de vous, il y aura toujours des petits signaux que Dieu va vous donner. Des signaux qui ne vous concernent pas vous directement, mais qui touchera quelqu'un qui est très proche de vous. Quelqu'un que vous considérez beaucoup. C'est juste un signal que Dieu veut te dire, j'ai écouté ta prière.
Et pour preuve, voilà, je viens de délivrer Nakor. Lui qui avait des problèmes, maintenant je viens de le bénir. Alléluia. Ça veut dire, quand nous prions, les bénédictions de Dieu ne nous concernent pas que nous directement. Ça concerne aussi toutes les personnes qui sont rattachées à nous. D'une manière ou d'une autre, même si tu ne pries pas, tu es membre de ma famille, tu bénéficieras de mes prières. Et ma bénédiction, à moi seul, je ne pourrais pas la porter. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Parce que à toi seul, tu ne peux pas porter quelque chose qui vient de Dieu parce que c'est lourd. Dieu, il est grand et ce qui vient de lui est grand. Et s'il te bénit, aucun homme, je vous dis, aucun, je souligne, j'insiste, aucun homme n'est capable à lui seul de consommer toute la bénédiction que Dieu donne. Ne voyez pas la bénédiction seulement en termes d'argent. Mais voyez la bénédiction en termes de l'aura. La bénédiction de Dieu, c'est l'aura. C'est un état d'esprit que Dieu crée autour de quelqu'un. Donc, ça peut commencer à affecter même les gens qui ne sont pas de ta maison. Le fait seulement que toi, tu es béni, tu peux bénir quelqu'un parce que tu penses à lui et Dieu le bénit. Donne-moi un bon amen. Il y a des délivrances où dans la famille, c'est toi qui es le premier à réaliser quelque chose. Et puis après toi, peut-être dans ta famille, les autres viennent. Ça, c'est le deuxième type de bénédiction. Je suis sauvé. Il y a des gens, il est sauvé lui seul et puis personne dans sa famille n'est sauvé. Mais le deuxième type de bénédiction, toi, tu es sauvé et puis tu sauves aussi quelques personnes de la famille. Mais il y a aussi une autre bénédiction que je vous souhaite après Morija. C'est une bénédiction qui non seulement te concerne toi, non seulement concerne le membre de ta famille, mais une bénédiction qui concerne toute personne qui a ce genre de problème. Par ta bénédiction à toi, toutes les personnes de ce genre de problème sont aussi délivrées. Nous l'avons vu avec Jésus. Lui seul, par lui seul, il a sauvé toute l'humanité qui avait le même problème. Il a sauvé toute l'humanité. Que Dieu t'accorde ce genre de bénédiction. Vous savez, parfois, dans une famille, c'est bien quand vous pouvez vous asseoir dans une réunion de famille, tout le monde a réussi dans la vie. Quand vous avez des familles où s'il n'y a que l'oncle qui a un peu de moyens, les autres doivent attendre de l'oncle, ce ne sont pas des familles très, très équilibrées. Et même quand ils font des réunions, ce ne sont pas des bonnes réunions. Ce sont des réunions qui sont très biaisées parce que les gens souvent, ils donnent toujours raison à celui qui a réussi, à celui qui a un peu d'argent. Même s'il dit des idioties, on lui dit quand même oui. On va faire ce que toi tu as dit. D'ailleurs, la Bible dit quoi? La sagesse du pauvre. Qui peut l'écouter? Donc, si tu es sage et que tu n'as pas réussi dans la vie, personne ne va t'écouter. C'est mieux que dans la famille. Ça fait toujours beau, n'est-ce pas? Vous êtes dans une famille, on dit, vous voyez, tel, c'est mon frère. Tel, c'est mon frère. Tel. Et tous ces tels-là, on les connaît. Apanawe, tonakuya, pakawe. Andeoriako. Que Dieu te donne ce genre de bénédiction. Quand ça te touche toi, ça concerne aussi d'autres personnes. Tu n'as pas compris. Abraham est béni par Dieu, Nakor, qui n'avait pas d'enfants, commence à avoir des enfants. J'aime ce genre de bénédiction. On me bénit moi, je suis aussi capable de transférer cette bénédiction. Tu sais, quand tu es un pasteur d'une église, tu dois réclamer ce genre de bénédiction. De bénédictions qui sont contagieuses. Quand Dieu te délivre toi dans un domaine, c'est toute l'église qui devient délivrée dans ce domaine-là. Quand Dieu te fait accéder à une dimension, toute l'église devient accessible à cette dimension-là. Ce sont ces genres de bénédictions que nous, les hommes de Dieu, nous cherchons. Que Dieu nous l'accorde. Afin, partout là où moi j'ai eu des victoires, que toi aussi Dieu te donne la victoire. Là où moi j'ai vu la main de Dieu, que Dieu, toi aussi tu vois la main de Dieu. Non, c'est normal. Tu ne peux pas commencer à te battre là où ton père a déjà réussi. Tu sais, quand quelqu'un a son papa qui a un peu de moyens, son papa peut-être, lui, en allant à l'école, il allait à pied, il souffrait. Mais quand moi, son fils, mon papa a un bon véhicule, pourquoi il va m'exiger de souffrir comme lui avait souffert? Pour que j'apprenne que dans la vie, il faut souffrir. Non, ce n'est pas correct. Toi, tu as souffert. Tu as souffert pour nous. N'est-ce pas? Toi, tu as gagné pour nous.
Toi, tu as vaincu. Tu as vaincu. Non. Ça, c'est mal habitué, les enfants. À pied. Moi, je faisais le pied de la Katouba jusqu'à l'université. Et les périodes de Katouba jusqu'à l'université, moto et Ruyakako. Moto et Ruyakako. Mais là, où moto, ripia moto, tata moto, et de Gumasomo. Non, hasta la taqua qui ou le ouel. N'a pas connu ça comme on a pas de moto, taqua qui ou le ouel. Qui t'a dit ça? Sois quelqu'un, quand Dieu te donne une dimension, que cette dimension profite à beaucoup de gens dans ta famille et à beaucoup de personnes. Hey, est-ce que je vais dire quelque chose? Que cela bénéficie à toutes les personnes qui te soutiennent, qui t'aiment, qui prient pour toi et qui sont contents de te voir être béni. Ah, ça tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand il est content, quand Dieu te bénit, c'est que Dieu te donne lui est donné aussi. Ça veut dire que Nakhor se comprenait très bien avec Abraham. Parce que quand je lis la Bible, j'ai découvert, mes amis, toujours dans Genèse 21, que Nakhor était tellement proche d'Abraham qu'on a même appelé dans la Bible les dieux d'Abraham et de Nakhor. Je n'ai pas le temps de vous faire lire ça. Vous n'avez jamais découvert ça? Qu'on appelait aussi les dieux d'Abraham et de Nakhor dans la Bible. Genèse 21. Tu trouves ça? Le Dieu d'Abraham et de Nakhor. C'est que ces deux, ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils connaissaient le même Dieu. Ils priaient le même Dieu. Quand Abraham quitte son pays, sa patrie, vers un pays que Dieu allait lui montrer, Nakhor est avec lui. Quand tu t'attaches à quelqu'un, lorsque Dieu bénit cette personne, toi qui es attaché à la personne, tu reçois aussi les conséquences de cette bénédiction. Tu as compris ça? C'est pourquoi il a dit, je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. Papa Joël avec son épouse, ils m'ont fait une révélation qu'ils ont vue. Son épouse, je crois qu'elle n'est pas là. Hein? Elle est au travail. Hein? Ils m'ont vu le vendredi. Il ne faut pas avoir peur. Parce que dans le rêve, moi, je n'avais pas peur. Ils ont vu, nous étions comme ici. Hein? C'était très beau. Il y avait une verdure. C'est la première fois qu'elle a vu cette verdure, une grande verdure comme ça. Et il y avait beaucoup de gens. Moi, j'étais devant. Comme si on travaillait dans les cultes. Et puis, il y a eu un mouvement de gens qui venaient avec des jeeps. Ils étaient habillés en blanc. Et on avait écrit ici le nom de leur pasteur. Et quand ils sont arrivés de plus près, maman Joël a constaté une personne qui avait prié ici dans cette église il y a longtemps, qui faisait aussi partie du groupe. Ces gens-là sont venus, ils voulaient agresser le pasteur. Ils étaient à l'entrée de là-bas et puis les jeunes gens de l'église se sont dit, vous n'allez pas entrer. La bagarre a commencé. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous êtes bagarrés dans le rêve de la femme de Joël. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas quand même laisser les gens qui viennent chez vous à l'église comme ça, ils viennent donner des ordres. Et on veut tabasser votre pasteur, vous le laissez dire. Ah, bon, il m'a dit, je sais qu'on a un mungo, mon compagnie est ton. N'explique à nul. Heureusement, c'était dans les rêves. Maman Joël dit que les jeunes gens se sont battus contre ces gens. Et puis, à un moment donné, elle est venue vers moi, elle m'a trouvé que j'étais normal, calme. Le problème, c'était quoi? Ils m'ont accusé que j'ai touché à leur pasteur, ou leur père spirituel, ou leur autorité religieuse. Et que j'ai dit quelque chose dans mes prédications qui l'a mis mal à l'aise. Ça l'a beaucoup dérangé. Et puis toujours dans mon rêve, et dans son rêve, Gracielle va venir à côté de moi. Et Gracielle dit que tout ça, c'est à cause de cette publicité qui est passée à Malaika, des choses comme ça. Vous voyez, la publicité, c'était en rapport avec Mauritia. Et puis, embouteillage dans l'église. Maman aimait me convaincre quand même de me réfugier en attendant pour que je voie à distance. Parce que la colère avec laquelle ils étaient, ce n'était pas bon s'ils m'avaient attrapé. Je suis entré à l'écart. Et là, à l'écart, maman aimée a dit, ils m'ont conseillé d'aller me réfugier là où il y avait comme un espace, un bureau des mamans. Je suis allé me réfugier là-bas.
Et puis maintenant, elle est allée vérifier l'information. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, pourquoi lui peut-elle s'attaquer à notre chef religieux? Maintenant, elle reconnaît dans le groupe un pasteur qui est ami d'un pasteur de la ville, j'avais cité au premier culte, je ne le cite pas ici. Toi tu veux que je le cite? Ok, un pasteur qui est ami à Jean Clément. Alors maman aimée revient vite pour me dire, non, je vois, c'est l'équipe là de l'ami de Jean Clément de la Côte d'Ivoire, tout ça. Je dis, ah bon? Ok. Papa, comme ça appelle maman, pasteur Jean Clément. Je dis, ok. Je cherche les numéros, je dis, je n'ai même pas son numéro. Elle me donne les numéros, j'appelle Jean Clément. Jean Clément me dit, ah, Bishop, jaloux, ce sont des gens qui sont jaloux de toi, tout ça, ils veulent te combattre, ils se sont organisés, tout ça, ainsi de suite. Comme eux, ils ont échoué dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas contents que toi, tu sois en train de réussir, tout ça, c'est ça, ne t'en fais pas, ils ne vont rien te faire. Je dis, ah, ok, ça va. Et puis, je suis resté là. Bon, ensuite, je crois que la suite, ça ne m'a pas intéressé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire qu'à un moment donné, vous devez savoir que quand vous sortez d'une grande prière comme celle-ci, les doses ou l'intensité du combat aussi augmentent. À des grandes victoires, il faut s'attendre aussi à des grandes résistances. Le diable ne peut pas te laisser aussi facilement accéder à une dimension que Dieu t'accorde sans qu'il puisse te résister, sans qu'il puisse te créer des ennuis, n'est-ce pas? Ce rêve montre effectivement que notre prière a réussi. Je vous dis, c'est un signe qui montre que ça a réussi, parce que ça a dérangé quelque part. Et puis ce que j'ai découvert, c'est quoi? C'est que ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Ce sont des gens qui sont habillés dans la peau de la chèvre, de brebis, mais en réalité, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des méchants. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens comme ça qui ne sont pas des dieux, qui sont de faux pasteurs, qui sont de faux prophètes. Je ne veux pas les attaquer. C'est leur problème avec Dieu. D'ailleurs, je les attaque de moins en moins. Je n'ai pas peur d'eux. Je le dis tout simplement, ils peuvent s'organiser à leur niveau et commencer à vous faire la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement en venant physiquement. La guerre, c'est peut-être en racontant n'importe quoi, en disant n'importe quoi. Mais j'ai la foi et la certitude que si l'on me combat parce que je suis au service de Dieu, je n'ai pas peur de ce combat-là. Si on me cherche des querelles parce que moi, j'ai réussi avec Dieu, je n'ai pas peur de ces querelles-là. N'aie pas peur des gens qui veulent te battre, qui veulent te combattre parce que tu as réussi avec Dieu. Dieu qui te fait réussir, lui-même est encore capable de t'affermir. Je dis à quelqu'un que Dieu t'affermisse au nom de Jésus-Christ. Je dis encore que Dieu t'affermisse au nom de Jésus-Christ. Et puis, Abraham, quand il descend de la montagne, vous savez la nouvelle qui est arrivée à Abraham, quand il rentre chez lui à la maison, sa femme est mourante. Après Morija, sa femme est mourante. Au chapitre 23, nous sommes au chapitre 22, quand il descend de Morija. Et au chapitre 23, on nous a lu, après cela, Sarah mourut. Ça veut dire, quelle que soit une mauvaise nouvelle qui peut arriver, après une forte prière comme celle-ci, retiens tout simplement que c'est une technique du diable pour te décourager et te faire lâcher prise. Cette technique consiste en faire quoi? C'est une technique que je connais bien et que je vais vous expliquer. Cette technique, si le diable sent qu'il voit, il a perdu d'un côté, il va récupérer un autre côté pour que ta joie ne soit pas parfaite. Je répète ça, tu n'as pas encore bien compris. Si le diable sait qu'on t'a donné par exemple un bon travail, pendant que tu te réjouis de ton travail, il va chercher ailleurs, dans tes enfants, dans ton épouse, pour qu'il crée quelque chose, au lieu que ta joie soit parfaite,
et que ta joie soit à moitié. Parce qu'il est jaloux que tu glorifies Dieu de ce que Dieu a fait pour toi. La victoire, elle est certaine, tu l'as obtenue dans un domaine. Mais il viendra te récupérer dans un autre domaine. Là où tu as réussi, le diable ne peut plus rien faire. Mais il y a un domaine autre dans lequel tu seras joyeux d'avoir obtenu, joyeux d'avoir réussi. Il y a un domaine dans lequel il viendra frapper. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel il frappera quelqu'un. Mais Dieu me met ses paroles à cœur pour te préparer à ce que, même si tu apprenais, c'est juste une façon de t'arracher cette joie-là de ce que Dieu est sur le point d'arriver. Autrement dit, il y a quelque chose qui va arriver bientôt dans la vie de quelqu'un. Quelque chose de spectaculaire que Dieu a libéré pendant la prière de Morija. Oh là là, tu n'as pas compris. J'ai dit quelque chose de spectaculaire va arriver dans la vie de quelqu'un qui l'a accroché, qui l'a arraché pendant la prière de Morija. J'explique. Vous savez que Nakor, il met au monde 6 enfants. L'un de ses enfants, le cadet, s'appelle Bethuel. Bethuel se trouve être le père biologique de Rebecca, la future épouse de Isaac. C'est que là, à la montagne, la bataille qui se faisait entre Abraham et Isaac, son fils, c'était aussi une bataille pour la femme de Isaac. Parce que si Nakor n'avait pas eu d'enfant, Isaac allait épouser une femme étrangère. Une femme qui n'est pas dans l'alliance de Dieu. Quand tu épouses une femme qui n'est pas dans l'alliance de Dieu, même si tu es un champion, tu finiras comme Samson. Quand tu épouses une femme qui a été préparée par le diable, l'homme aussi, qui a été préparée par le diable, quoi que tu sois un champion, un vainqueur, ce que le diable va te mettre à côté, va te refroidir, va te frapper de l'intérieur. Puisque Dieu avait un plan avec Abraham et avec sa postérité, parce que de sa postérité devait naître le Christ, passant par Isaac, Jacob, la tribu de Judas, David, Salomon, à Jésus. Puisque dans le plan là, cela ne pouvait se faire qu'avec Rebecca. Rebecca, c'est une femme prophétique. C'est cette femme qui avait vu ce que tout le monde n'avait pas vu. Lorsque Isaac était sur le point de bénir Ésaü. Et si Isaac avait béni Ésaü, Jacob ne serait pas devenu ce qu'il est. Les plans de Dieu allaient être perturbés. Ça n'a pas été facile de faire bénir Jacob à la place d'Isaac. Il fallait une femme comme Rebecca. Et cette femme, c'est à la montagne qu'on l'a obtenue. Pendant qu'on était à Morija, cette femme n'existait pas. C'est quand on est descendu de Morija que Dieu a permis maintenant que Nakor, le grand-père, puisse mettre au monde Bethuel et que Bethuel mette au monde Rebecca. Et que Rebecca entre dans le plan de Dieu pour épouser Isaac. Je dis à quelqu'un, toi aussi, quand tu étais à la montagne, maintenant que tu es descendu, Dieu a aussi préparé quelque chose pour toi. Oh, tu ne sais pas me dire amen. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Imaginez-vous. Isaac avait 20 ans. Quand il descend de la montagne, c'est alors que Nakor conçoit pour mettre au monde Bethuel en 6e position pour que Rebecca naisse et que Rebecca grandisse. Ah! Ça a pris du temps. Hein? Ça prendra du temps. Mais ça viendra. Et quand ça arrivera, tu donneras à Dieu raison.
quand Dieu te bénira, je te dis, tu donneras. Je n'ai jamais vu quelqu'un, on le bénit 10 ans, 15 ans après, et puis il dit, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné ça avant? Il te le donnera au moment opportun. C'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il te le donne. Pas avant, pas après, au moment opportun. Je vais souligner un petit détail. Quand je lisais, lorsqu'on est allé épouser Rebecca, quelque chose m'a étonné. Je ne sais pas si le narrateur a voulu insister sur quelque chose. Il dit, Rebecca était une fille vierge. Vous connaissez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et puis il ajoute, et conjonction. Ça veut dire, c'est en plus. Elle n'a été connue par aucun homme. Ah, comment une fille vierge peut être connue par un homme? Ça veut dire, il y a des bénédictions que Dieu prépare pour toi après mourir. Ce sont des bénédictions vierges. Une bénédiction que personne n'a jamais connue. Ça veut dire deux bénédictions. Vierge que personne n'a jamais connue. C'est une personne qui se disponibilise devant Dieu pour une nouvelle bénédiction. Et je crois que pour tout celui qui a pris du temps pour prier dans Morija, pour que Dieu le lui pardonne, qu'il prenne cela au sérieux, qu'il considère cela comme Sarah, comme la mort, comme le mort, qu'il enterre ça définitivement. Il y a des choses que tu dois enterrer définitivement de ta vie. Des choses que tu ne dois plus continuer à faire revenir en surface. Vous savez, quand quelqu'un a un cadavre à la maison, je ne connais pas quelqu'un qui peut accepter de garder un cadavre pendant longtemps. Même s'il a aimé la personne, j'ai assisté à beaucoup de deuils. Même si les gens pleurent pas. Là, c'est au cimetière qu'ils pleurent comme ça. Mais si nous faisons quelques pas en arrière, ils étaient en train de demander, Banasima dit, tout à jika choukan. Kamana, non, boulonga bonekane. Je m'en fous, vous me kangarez, t'as quoi, je m'attends pas de boulonga, mbi, au moins tout jike. Ça veut dire que tout le monde veut que tu sois enterré vite. Oh, même toi. Un jour que ça va arriver, c'est comme ça. Celui-là qui te dit, chouchou. Et c'est comme ça. Personne n'aime garder un cadavre. N'est-ce pas? Alors, il y a certains péchés qu'il faut considérer comme des cadavres. Il y a certaines vies qu'on a menées avant. Il faut les considérer comme des cadavres. Toi-même, tu connais le cadavre que tu as. Est-ce que tu peux enterrer ce cadavre définitivement? Est-ce que tu peux l'enterrer? Si tu l'enterres dans la caverne de Macpéla, que j'appelle ici la caverne dans laquelle on a introduit Jésus, si tu enterres tes problèmes là-bas, tu en sortiras avec une double portion. Abraham est sorti avec une double portion. Je vous donne ça et je termine. La double portion d'Abraham, Kaleka vieux, sa femme est morte à 120 ans. Sarah est morte quand elle avait 120. Elle et Abraham avaient une différence de 10 ans. Donc Abraham avait 130 ans. Papa, après 130 ans, batoto 6. Je m'imagine le vieux. Maintenant, comment prouver que il fallait tout bien, il fallait faire que ça moya. Non, non, je ne m'embarre. Moi, je suis d'embarre. Moi, nous sommes Abraham. Dieu, on est quoi? Moi, nous sommes Sarah Wangwa. Papa, naoule. Je parle d'Abraham. Parce que je sais comment toi tu réfléchis. Abraham a 130 ans. Anao a papa. Ketura. T'en as qu'à Ketura. Parce que Ketura a un apparemment moins ouche.
donc arqua mweushi na mzungu. Hey Abraham. Six enfants. Je n'en ai pas eu à la fin d'Abraham, mais je n'en ai pas eu à Isaac, na Ismaël. Et qu'on a six. Parmi les six, pourquoi moi et mon amour familial, Madian, il va trouver Abraham. Qu'Abraham a mis au monde avec Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Ça veut dire 130, 175. Je te souhaite aussi que Dieu te donne cette double portion. Que tu finisses ta vie et non pas dans les batailles. Non, il est Mike Asmar, on a quand même dû faire le cas à sa famille connue. Mike Asmar, on est ma stress. Après, on a confié, ben tu vois, on a ça au choc, chérie, comme nous, Moussandou. Il faut qu'on a confié, on a l'air. Parce que tu as vécu ta vie. Je dis, toi, tu ne mourras pas en bataille. Tu ne mourras pas en dispute. Tu ne mourras pas en train de vouloir récupérer quelque chose que tu as laissé. Tu seras comme Abraham. Tu seras rassasié des jours. Et tu mourras en paix. Et derrière toi, il y aura la paix. C'est quoi ça? C'est ça la double portion. Enterre Sarah Morija. Enterre Sarah. Il y a une double portion qui t'attend. Ma fille, enterre Sarah. Mon frère, enterre Sarah. Il y a une double portion qui nous attend. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je veux que nous puissions dire à Dieu quelques mots avant de nous séparer. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.